Yo tout le monde, c'est LMGL, on est sur Combat Master et cette fois-ci je vais vous montrer comment faire pour XP vos armes rapidement, votre niveau rapidement et bien sûr votre pass de combat rapidement. Alors je vous montre là ce que j'en suis, je suis pas les 43, j'ai acheté le pass ce midi, donc on est le 2 mai, hein. Je l'ai acheté ce midi et j'ai joué maximum 4 heures et je suis pas les 43. Alors j'ai fait les games normales et j'ai fait ce que je vais vous montrer. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire pour XP. Alors déjà, je vais vous montrer, je vais XP, je vais continuer d'XP ça. Secondary Weapon, les Dual Sword, je vais mettre en favori pour voir ça direct. Ouais, je suis level 45 dessus. Je suis level 45, j'ai fait deux games avec. Le niveau max d'une arme c'est 80. Donc je vais vous montrer. Alors moi je prends ça, du coup je vais améliorer ça. On va partir en custom game. Alors avant, bien sûr, j'ai oublié, allez sur votre profil, vous activez donc l'XP d'armes, weapon XP. Après si vous voulez vous activez tout comme ça, ça vous augmente tout. Et sinon si vous voulez faire uniquement que les armes, vous faites les armes. Si vous voulez faire que votre XP, vous faites rank XP. Et si vous voulez faire que le pass de combat, vous faites BP, XP, token. Moi j'active les trois directs. Et là vous allez en custom game. Vous allez mettre match à mort. En map, vous mettez une petite map. Alors moi je mets power station. Le temps, vous mettez 13 minutes. Ensuite, player marker, vous pouvez laisser, on s'en fout. Max player, vous mettez 10. Vous laissez les bots, vous les mettez au niveau 1. Vous enlevez la zipline. Et on est tout bon. Hop, on va lancer la game. Donc je vais faire quelques kills vite fait. Hop. Voilà. Bon, c'est normal si on se fait buter de temps en temps, hein, pas de panique. Vous voyez, ça va très très vite. Si vous voulez XP vos armes, vous faites ça. Faites ça tout simplement. Avec n'importe quelle arme que vous voulez, hein, bien sûr. Ce qui est pratique, parce qu'il y a des armes, c'est pas facile à monter si vous faites des vrais games contre des vrais joueurs. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer à la fin ce que ça va me rapporter en XP. Donc je vais couper et je vais vous mettre la partie qui vous montre la fin de la game. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, tout le monde est sur la fin. Ça y est. Je termine mes kills. Ouais, pas grand chose à faire, hein. Voilà. Donc je suis à plus de 300 kills, hein. Je sais pas combien je suis. Mais voilà. Vous allez voir tout l'XP que vous récoltez. Voilà, je monte quelques niveaux. Voilà. 150 000 XP j'ai fait. Et vous voyez, donc mes Dual Sword étaient niveau 45. Voilà, je les ai montés niveau 46. Quoi. Vous voyez le poste de combat. J'ai monté quasiment 4 paliers d'un coup en une game qui a duré 13 minutes. Donc voilà pour comment faire pour XP ses armes rapidement. Donc voilà, hein, comme je disais, j'étais niveau 45 sur les duals et je les ai montés niveau 61. Donc j'ai pris 16 niveaux en une game. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà les gens, comment faire pour faire des de l'XP rapidement, que ce soit de l'XP de niveau de compte, l'XP pour les armes, l'XP pour le pass de combat. Voilà le petit tuto que je vous ai présenté. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde. Tchuss.